Ben, j'ai eu de la limousine parce que c'est de la viande goûteuse et qui est beaucoup tendre. Et voilà. Et que la viande limousine, les bêtes limousines, ce sont des bêtes qui sont élevées naturellement. Et ici, quand on voit les carcasses, je vois qu'elles sont, elles vont être bien conservées. Quel est votre secret de la bonne conservation de la viande limousine? Eh bien, la conservation, c'est d'avoir des bons frigos et avoir une viande qui est un peu couverte de graisse. Ça, c'est ce qui fait la tendresse et la saveur de la viande. Voilà. Et vous avez, toutes mes bêtes sont dans cet état-là. Gontran est en train de désosser une côte à l'os. Il enlève le dessus de côte qui est en fait de la viande hachée ou de l'américain. Mais c'est une viande qui est assez grasse, ça veut dire que c'est plutôt de l'hachée pur bœuf. Ici, il est en train de la parer pour la désosser. Ici, il vous la désosse à l'ancienne, fait que os par os. Là, il désosse côte par côte pour faire des entrecôtes limousine. Et vous aimez particulièrement, vous, travailler dans la limousine? Oui, pour moi, c'est une viande qui a beaucoup de qualité. Elle a du goût grâce à son taux de graisse. Elle est tendre. C'est une bête qui a quand même pas mal de qualité. Hein. C'est une côte à l'os qui va être désossée, qui va devenir une entrecôte, en fait. Vous avez du côté droit les entrecôtes qui sont exactement à la même place que la côte à l'os qui est de l'autre côté. Ce sont deux bêtes différentes et vous voyez la différence entre une côte à l'os et une entrecôte. Les entrecôtes à droite elles font 320 grammes et les côtes à l'os, à mon idée, elles font 750 grammes. Mais toujours dans la viande de limousine. Tous les deux dans la viande limousine, oui, exactement. Et voilà, madame. Magnifique. Et voilà. S'il vous plaît, la côte à l'os. Tu veux goûter? Oui, qui est mangeable.